Attendez, non, je vais vous lire un peu. Il y a quand même un endroit où on peut aller. Je vois où ça peut être. D'abord, j'ai oublié le rocher de sang dans la précédente zone. Quoi, il n'y a qu'un seul rocher de sang? C'est pas vrai. Sérieux? Il y a un seul rocher? C'est hallucinant. Dans tout le jeu, il n'y a qu'un seul rocher. Loul. Ah ouais, ok. Putain, il n'y en a qu'un seul. Bon, ben on va y aller, hein. Bon, il est où ce rocher? Bonne nuit, Bako. Bonne nuit, ceux qui vont au dodo. Hein. Et welcome, ceux qui arrivent pour ce live nocturne. Ouais, non, mais ok, d'accord. Le rocher le rocher de quoi? De sang est dans la zone précédente, mais où exactement? Est-ce que c'est à l'endroit où j'étais rentré par une fenêtre ouverte là? Je m'étais fait tuer et je n'étais pas revenu. J'y étais rentré via une cage de corbeau, une cage corbeau. Parce qu'il y a cet endroit-là, mais sinon. Ouais. Bon, je vais refaire ce que je voulais faire. Hein, parce que je vois que ça dit un petit peu tout et son contraire et sur ce chat. Donc je vais refaire ce que je voulais, c'est-à-dire que je vais revenir. Je vais revenir à la cage du corbeau là et re-rentrer par la fameuse fenêtre que j'avais trouvée tout seul. Je tiens à le dire. J'ai trouvé que cette fenêtre était ouverte tout seul, comme un grand ours, oui, comme un grand ours. Donc je vais voir ça, et ensuite on verra. Ensuite on verra. Voilà. Parce que c'est vrai qu'après ça, je vois pas trop ce que je pourrais faire, à part repartir visiter un peu partout. Mais par contre, attendez, du coup, parce que... est-ce que c'est par là? Je crois que c'est là, ouais. Je crois que c'est là-haut. Donc on va y aller. Je crois que c'est juste là. Ouais, c'était celui-là, voilà. Nickel. Bon. Parfait. Ah voilà, c'était là en bas. Bon, je vais me laisser tomber. Attention. Maintenant. Quel talent. Donc là, je vais faire plus attention. Ah oui, ça y est, je sais. C'est l'autre qui m'avait tué. Qui m'a mis la folie. Donc j'ai essayé de la voir avant. C'est quand même incroyable ça. Ah non, je suis pas dead. Eh mais je suis. Ah non, il y en a une autre! Ouais, mais attendez là. Putain, j'arrive pas à comprendre. Ce truc de folie. Je crois que je ne comprendrai jamais. Je crois que je ne comprendrai jamais. Ok, je me suis pris la folie une fois. D'accord. Ça m'a enlevé 80% de ma barre de vie. D'accord. Mais pourquoi, après avoir tué le mob, c'est revenu? Voilà. Pourquoi c'est revenu, quoi?
C'est ça le truc. Je crois bien que j'ai des... Ah oui, non, effectivement, je n'ai pas la rune. Ah oui, vous avez raison. Putain, je vais prendre ma rune. Résistance à la folie. Non, mais je vais prendre la rune où je résiste mieux à la folie et ça ira, voilà. Effectivement, ça ira avec ça. Dépense ta lucidité. Bon, écoutez, je vais vous écouter. Je vais dépenser ma lucidité, je vais aller acheter des habits, là, tiens. C'est que jusque-là, je n'ai jamais utilisé ma lucidité. Donc, c'est peut-être... Il est peut-être temps. Voilà, ici. Mais combien j'en ai? Voilà, j'ai 51 points en lucidité. Donc voyons, qu'est-ce qu'on nous propose là? On nous propose que des trucs inutiles là. Putain, je pourrais me prendre 50 papiers de feu. Loul. On peut pas acheter des morceaux de pierre sans là. J'ai pas l'impression. Un peu ce qu'on propose là. Putain, mais c'est toujours les mêmes tenues depuis le début, quoi. Toujours le machin du père Gascogne, quoi. Le machin du début du jeu, sans déconner. Comment tu veux savoir quoi prendre, quoi? Je sais pas, moi. Je vais pas acheter des machins au hasard, sans déconner. Ou alors je me prends que des papiers de feu. J'en sais rien, moi. C'est quand même incroyable qu'on nous oblige à utiliser notre lucidité parce que sinon on n'est pas assez résistant à cette dernière. Je trouve ça assez dingue. Je trouve ça un petit peu oufo, moi. Petit coup d'eau. C'est quand même assez dingo. Non mais les stats c'est quasiment les mêmes quoi. Alors ok, je vois bien que parfois ça peut améliorer la résistance au feu ou à autre chose. Ou... Mais même regardez quel intérêt d'avoir de la résistance au feu alors que t'as aucun ennemi qui t'attaque véritablement au feu quoi. Vous voyez? What the fuck quoi? Ça sert à quoi? C'est voilà, c'est encore une fois c'est encore une aberration. Je comprends pas trop pourquoi. Bon, enfin je vais pas critiquer évidemment mais. Putain, si on avait vraiment des boss qui sont uniquement des boss enflammés qui te balancent que du feu et que t'avais vraiment des tenues qui sont spécialisées dans la défense du feu, je comprendrais. Mais là, toutes les tenues sont quasiment identiques ou presque. C'est du what the fuck. Alors effectivement, dans les donjons Kalis. Peut-être que ça sert dans les donjons Kalis. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon. Écoutez, franchement, j'ai rien envie d'acheter. Je suis désolé. Je vais acheter quoi? Des fragments de pierre de sang? J'en ai 97 plus 63. J'en ai 150. Loul. Ils me serviront jamais. Je sais pas moi, putain, c'est quoi ça, petit carillon? Ah, sonner la cloche pour aider d'autres chasseurs. Tiens, ça serait marrant ça. Peut-être je vais en prendre. Hop. Voilà. Ah, mais je peux en acheter qu'un seul en fait. Loul. Faire sonner pour devenir l'ennemi de notre chasseur. Tiens, allez, hop. Papier de feu. Ah, mais en fait, on peut en prendre qu'un seul. Ah non. Les objets dépassant le maximum ont été stockés. Oui, ben oui. Prends des papiers de feu, tiens. Cool. Je sais pas, C'est assez étrange quand même, sans déconner, comme système de jeu, moi je trouve ça étrange. Bref. Allez. Alors, je vais donc changer. Voilà les balles. Ouais. On va virer les balles. Et on va se mettre. La défense à la folie plus 200.
ça déjà ça devrait bien nous aider. Voilà, on va faire ça. Ouais. On va tenter comme ça. Et je vais effectivement prendre mes tranquillisants. Et ça devrait aller. Hop. On verra bien. On va peut-être envahir un joueur, tiens. On va peut-être envahir un joueur pour le fun. Enfin, si on y arrive. Parce que si c'est le même système que dans Dark Souls, ça fonctionne pas au top. Ah putain, faut le rappeler. Manier, oui. Voilà. Pour voir si quand on tombe de trop haut, on crève. Tout était calculé. Bon. Allez, cette fois-ci j'ai les tranquillisants. Alors, est-ce que je vais réussir à me faire ce truc là-bas? C'est mieux. Tranquillisant. Ah merde. Ah mais je me fais choper avant, disons. Loul. Tranquillisant. Non, je voudrais prendre un tranquillisant. Ah putain. Ah, j'ai pas eu le temps. C'est quoi ce truc de folie, sans déconner? Qui a inventé ça? Je sens que je vais devenir méchant. Je sais pas pourquoi. Putain. J'ai pas pu l'utiliser. J'ai pas eu le temps. C'est pas vrai. Avec l'épée, on dit. Mon endurance est pas assez développée, mais tu rigoles ou quoi? Attends, en endurance, j'ai combien là? J'ai 142, vu que je me suis mis une gemme. 142 en endurance, c'est pas assez? T'es sérieux? J'aime bien le marteau qui dépasse complètement de la cage. Eh bien, mais tu vas y aller, saleté de cage, oui? Allez, descends! Non mais c'est une blague là. Non mais c'est une blague là ou quoi? Putain, mais c'est hallucinant. Je suis allé pile poil dans ce trou. Oh là là, je sens que ça va partir. Je sens que ça va partir là. J'ai la moutarde qui monte. Il y a la moutarde qui me monte au nez. Je sais pas ce qui se passe. Mais je sens que ça va partir. Il n'y a plus pour très longtemps.
pas de ma faute, hein. On va être clair, ce n'est pas de ma faute. Si ça part, ça partira. C'est comme ça. Et là, ça commence, là. Ça y est, ça commence. Bon, est-ce que je vais réussir à la voir, lui, nom de Dieu? Mais tu peux pas, mais tu peux pas le. Mais sans déconner là. Non, mais recule! Eh mais sans déconner. Oh putain, ça va partir là. Allez, c'est bon, je vais me laisser mourir. Je vais me laisser mourir, c'est pas la peine. Oh putain. Oh putain. Ah putain, je crois que 2h30 c'est un petit peu trop tard en fait. Je dois plus avoir de réflexe. Je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'on est trop crevé, hein, c'est possible. Bon. Je vais rester loin de lui. Je vais y faire l'attaque classique sautée. Et on verra bien. Allez! Mais que c'est con ce truc! Oh là 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 là! Bon. Là, ça commence à me lourder là. Ça commence à me prendre le chou. Mais sévère, hein. La chance. Non, mais non. J'étais vachement loin. Ah, je vais mourir avec la folie encore. J'ai réussi à me soigner. Ils sont vachement rapides en plus. Elle est quoi? Mais c'est hallucinant là. C'est une blague là. C'est quoi ces mobs tout pourris là? Eh mais j'ai pété un câble. Hein. Quoi, c'est une autre pourrie là. Mais stop la folie, putain, mais c'est incroyable. La folie, ça continue. Hein. La folie, en fait, ça continue. C'est-à-dire que quand la jauge a commencé, même quand le mob il est mort, le truc il continue de d'augmenter. C'est what the fuck. Putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces mobs horribles? Immonde. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. C'est pire que tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler que tout nous donne des échos de sang. Ouais. On a trois cochons qui nous en donnent 30 000. Tu m'expliques. Putain, ce contraste de la lune complètement overpower. Si avec ça on se transforme pas en singe. Je ne sais pas ce qu'il faut. Oh non, mais non, il y en a un autre. Il y en a un autre, putain, c'est pas vrai. J'ai essayé de me cacher. Discrètement. Oh, attention, il arrive. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. J'espère qu'il y en a qu'un, par contre. Hein. J'espère vraiment qu'il y en a qu'un. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y en a que un. Ouais, il n'y en a que un. Allez, go.
dedans. Allez, ça va aller. Putain, je les déloque. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Loul. Tout est normal, vous n'inquiétez pas. Tout est normal. Surtout pas de panique, hein. Tout est normal. Voilà, tout est normal. C'est une technique de base de Bloodborne. Voilà. Bon. Oh, peut-être que je commence à changer mes gemmes. Oh, là, c'est quoi ça? Putain, il y en a une autre là-bas. Je suis tranquillisant maintenant. Allez, je recule. Go. Non, 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 quelle erreur. Ah, putain, j'aurais dû utiliser. Non, je vais mourir, j'ai pas fait attention. J'aurais dû utiliser tranquillisant. Putain, mais j'ai pas vu que ça montait aussi vite, quoi. Mais c'est hallucinant la vitesse à laquelle ça monte, ce machin. La vitesse à laquelle monte le truc de la folie. C'est incroyable, ça. Vous allez quand même pas m'obliger à acheter le... Vous voulez que j'achète la tenue du père Gascogne? Bon. Eh bien, on va acheter au moins comme ça. Eh. On nous verra avec un autre skin. Et c'est vrai que j'avoue quand même que la tenue que j'ai depuis maintenant, je sais pas combien de temps, est quand même assez moche. Hein. Surtout le casque d'escrimeur, là. Donc, écoutez. Prenons la tenue du père Gascogne. Et je l'ai déjà baissé, ma lucidité. On était à 50 et quelques, je suis à 45. Donc on l'a baissé. Bon, je vais m'acheter la tenue de Pierre Gascogne, j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus. Allez. Où il est le Pierre Gascogne? Allez, le couvre-chef du Pierre Gascogne. La tenue de Gascogne. Les gants de Gascogne. Le pantalon de Gascogne. Allez. Alors, voyons. Voyons. Alors ici. Voyez, regardez. Non mais. Folie 50. Oui. Ah non, attendez, 7, j'en y comprends que dalle. Voyons. Ah non, 14, 2. Et regardez, attendez, mais regardez, 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 regardez. D'accord. Avec ça, j'ai résistance à la folie, 12. Avec le couvre-chef de Gascogne, 7. Avec ça, 2. Avec ça, 14. Voilà. Pourquoi vous me dites d'acheter la tenue du père Gascogne, alors que ma résistance à la folie, elle est encore mieux si je prends ça, ou si je prends ça. Voilà, il faut m'expliquer là. Faut rester calme. Surtout, faut rester calme. Ah, c'est l'autre tenue pour la folie. Mais pourquoi vous me dites de prendre celle du père Gascogne alors? Oh putain. Sans déconner. Le chat est énorme, quoi. Le chat est énorme. Bon, mais vous savez quoi, j'en peux plus. Je vais prendre un truc qui est marrant. Alors, vous me dites qu'il fallait prendre l'autre tenue. Ah bon, fallait prendre l'autre tenue. Attendez, on est où là? Faut prendre l'autre tenue. M'en fous. Allez, je prends l'autre tenue. De toute façon, lucidité, ça sert à rien. Alors, l'autre tenue, elle est où? Le loup gris, voyez un peu. Ah oui, effectivement. Oh là là, effectivement. Effectivement, là, il y a beaucoup plus de résistance à la folie, je confirme. C'est vrai. Bon, allez, je le prends du coup.
C'est la tenue de loup gris de chasseur cendré. Je me demande si je l'avais pas déjà cette tenue de chasseur cendré. Bon, on s'en fout. Hein. On n'est plus à ça près. Loul. Alors allons-y. Elle est où la tenue de chasseur cendré là? Fait ou de loup gris? Putain, la cage de machin. Regarde un peu ce que ça donne ça. Ah oh, putain, mort de rire. On va les combattre avec ça, dis donc. Oh putain, ce truc. Ça, je crois que c'est la tenue de SM ultime. Hein? On fera jamais mieux. On fera jamais mieux, quoi. La tenue SM ultime avec ça. Oh putain, ce truc. Oh, ce truc. Énorme. Et un peu les autres. Bon, celui-là, vous l'avez vu. Ah, petit truc à la Black Flag, à l'Assassin's Creed, s'ils veulent. C'est quoi ça? Ah, je crois que c'est celui-là. Oh là là, il est marrant celui-là. Espèce de machin indien. Chapeau de l'église. Ouais. Une sorte de burqa pour homme. Loul. Ah, celui-là, c'est celui qu'on avait, celui-là. Un petit peu le même. Ah, le couvre-chef de Gascogne. Ah, celui-là, il est assez classe, quand même. L'espèce de couvre-chef de cow-boy, là. Petit chapeau de cow-boy, il est pas mal, celui-là. C'est le chapeau de Lee Van Cleef. Donc la cage on l'a vu, et ça c'est quoi déjà? Mort de rire. Ah, je prendrais bien le Bob. Je prendrais bien ce truc. Sans déconner, je prendrais bien ce truc. Je prendrais bien ça. Putain, pour finir le jeu, je prendrais bien ça. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pour moi c'est le chapeau ultime. On fera jamais mieux. On fera jamais mieux que ce truc. On ne peut pas faire mieux. Je veux celui-là. Je veux le Bob. Je veux prendre ça. Il est énorme. Celui-là, c'est le mieux. Celui-là, c'est le mieux. Bon, du coup... Folie, folie, folie... Eh ouais, c'est le couvre-chef loup gris. Allez. Donc ici, c'est le truc cendré. Voilà. Les gants, c'est les gants cendrés. Ouais. Et... les bottes, elles sont les bottes cendrées. Ah merde, c'est pas les bottes cendrées. Putain, c'est les bottes comment déjà? Putain, je sais plus. Attends. C'est celui à 30. Ah si, elles sont là. On voit un peu ce que ça donne. Oula, c'est chelou, hein. Oh, ça va. On a connu pire. On a connu pire.